Madame Hélène Médor, Madame Marie-Alice Sirène, Madame Marlène Evelyne Norbert, Monsieur Antoniel Petit-Frère, Monsieur Maurice Pierre, Monsieur Ketuel Vernet, Monsieur Jeff Pierre, sont les 7 personnalités qui ont été choisies par la direction départementale de l'Ouest pour être honorées en ce jour spécial pour les enseignants, Journée nationale des enseignants, enseignantes haïtiennes. Mes propos ne seront pas longs, parce que, comme l'a dit le directeur du bureau de communication du ministère de l'Éducation nationale, je ne suis qu'un invité. Un invité parmi les 10 célébrations qui se déroulent actuellement à travers le territoire national, parce que le ministère a décidé cette année de déléguer, de départementaliser cette festivité. Les enseignants partout à travers le monde, y compris en Haïti, nous faisons un boulot noble, mais quelquefois ingrat. Ingrat parce qu'il est difficile, voire périlleux, quand on nous pose la question, démontrez-nous ce que vous faites tous les jours. Dans un contexte d'effritement des valeurs, dans un contexte de désarroi libertaire d'une jeunesse, nous avons un grand défi, une grande pédagogie, quand il faut justifier un travail ingrat, comme je le disais, que nous faisons. Permettez-moi de paraphraser un poète irlandais, Louis Stevenson, que j'aime citer, qui dit, et c'est le message que j'adresse tant à ceux qui laissent le système scolaire et à ceux qui viennent de rejoindre et ceux qui ont les vocations d'embrasser ce métier. Cet auteur qui dit de manière fort à propos pour cette journée, ne mesurez pas le succès d'une journée à la récolte du soir, mais aux graines que vous avez semées. Ces graines, nous ne les voyons pas. Il est plus facile de compter ce que vous voyez. Mais les grandes forêts sont muettes, silencieuses, quand elles poussent, quand ils poussent ces forêts. Matin, je n'ai pas de parole parce que son moment action. L'école, malgré une situation difficile, était dernier rempart société pour recoudre le pays. Moi, je dis souvent, geste héroïque, 18 mai 1803, bataille Vertien, déclaration que père fondateur, mère fondatrice, t'es fait 1er janvier 1804 en place d'armes pour Naïve. Ça te permet nous de gagner 27 750 km2 ça. C'est bataille ZAM, valeur liberté qui te baille. Reste bataille pour nous construire une nation, une nation solide, une nation qui a fait progrès et qui baille toute jeunesse opportunité. Eh bien, soldat général bataille ça, c'est nous, professeur. Dans façon de bailler et transmettre valeur, liberté, égalité, fraternité, justice sociale. Mais pour sa fête, il faut nous avoir condition pour nous faire. Et ce travail société,
que me rappeler l'importance pacte éducation, c'est le travail ministère éducation nationale, tout. L'enseignant n'enseigne pas nécessairement ce qu'il sait, l'enseignant, l'enseignante enseigne ce qu'il est. Si condition la ville, pas ça, eh bien, la difficile pour le transmettre la joie de vivre, la joie de cohabiter et la joie pour que nous habiter territoire ça qui c'est pour nous. Dernier mot m'a dit, c'est pour futur enseignant m'espérer qu'il a. Et jeunes yo qui a écouté message qui viennent témoigner le respect que yo gain pour nous. L'un dit l'école pas qu'attendre, nous avons l'autre moto. L'amour pas qu'attendre. L'amour pour nous aimer pays. L'amour yon ak l'autre. L'amour pour nous comprendre que nous avons une communauté de destin. L'amour nous tous semblés, pas parce que seulement nous avons même couleur uniforme, même l'un bagay même couleur uniforme, nous tous semblés. C'est rôle l'école là. Et c'est rôle nous-mêmes. Côté que pas espoir, malgré tout, pour nous continuer si mes espoirs. Moi bien content ouais que la direction départementale ouest organise événement ça matin hein? Et moi content ouais toute qualité individualité que nous choisit comme exemple pour jeunesse. Moi je voulais saluer l'effort collectif qui fait dans le gouvernement aujourd'hui hein? Pour que budget ministère de l'éducation nationale, toujours qu'on a pas l'empile sous lui, bon petit pack fait. Nous sommes de 10% à 13%. C'est ça qui fait me capable de permettre d'annoncer tout, que le gouvernement prenne décision pour que dans le secteur public, là, 35 000 enseignants dans le secteur public, là, eh bien, on a justement ça qui fait entre 30 à 43%. Pour le secteur privé, le ministère il y a une responsabilité tout continuer à encadrer l'école yo dans une situation difficile pour que eux même tout yo gagne plus moyen pour kembe et aider l'état remplir mission dans mois qui viennent yo n'a lancé recensement national tout enseignant public tant que privé je ne t'ai fait en 2014 pour nous tourner avec dossier 4 avantages éducation qui c'est un mécanisme qui peut permettre qu'un enseignant public, qu'un enseignant privé bénéficie l'autre type d'avantage, tant qu'une réduction de prix sur certains produits, sur certains services, services éducatifs et capacités pour que le secteur organise le plus bien. Ce n'est pas une journée de célébration, mais c'est une journée fête quand même, parce que enseignants ont mérité ça. Tout élève qui l'a, levez campé, bat bravo pour tout enseignant qui l'a aujourd'hui. Allez.